France, un schéma offensif qui est effectivement sur une défense individuelle, avec la capacité de rester dans des choses qui peuvent être très simples, parce que qu'on soit à haut niveau, qu'on soit dans un niveau moins, c'est pas forcément les choses les plus compliquées qui fonctionnent, c'est surtout les choses qui sont bien faites. Donc essayer de rentrer dans une conception de jeu offensif sans avoir la connaissance des espaces, sans avoir la connaissance des postes clés, sans avoir la connaissance de mettre de la mobilité dans la balle et mettre de la mobilité au niveau des joueurs, vous pouvez mettre n'importe quelle structure en place, rien ne fonctionnera. Rien ne fonctionnera. C'est une question d'espace et de relation dans le jeu à 2, dans le jeu à 3, qui fait qu'à un moment donné, on peut avoir une structure à 5 sur demi-terrain, que ça soit de toute façon sur une défense individuelle, une défense de zone, ce sont vraiment les principes que vous allez mettre en place qui vont pouvoir fonctionner. Après, on peut en mettre effectivement des structures appelées système de jeu ou peu importe, par rapport à des choses que vous allez essayer de mettre en place principalement avec la volonté, par exemple, de retrouver quelqu'un sur une situation de poste bas, qui peut venir sur une situation de poste bas avec un écran, deux écrans, succession d'écrans, ou des doubles stacks, etc. On peut avoir des structures où on peut essayer de mettre en place des sorties pour avoir des joueurs qui courent pour recevoir un ou deux ou trois écrans et avoir la solution du tir. Mais de toute façon, ce qui est le plus important, c'est quand même de rester dans cette notion d'espace, d'équilibre entre l'alternance du jeu extérieur et du jeu intérieur qui vous permettra à un moment donné de pouvoir faire plier les défenses adverses. Donc, par rapport à notre début et notre mise en place sur la notion du jeu sur demi-terrain, on va faire évoluer les joueurs sur juste du jeu à deux pour essayer à un moment donné de pouvoir retrouver non seulement dans le jeu de transition voire de contre-attaque la possibilité de pouvoir passer la balle sur des bons espaces par rapport à un fonctionnement de jeu en surnombre. Donc on va partir sur la ligne de fond. On va partir ici la balle pour la question de là on part sur un alignement de la raquette, un ballon pour deux. On va enchaîner les exercices. Si à un moment donné vous avez une question, n'hésitez pas. Moi je vais continuer à faire évoluer le groupe devant vous. Si à un moment donné vous voulez intervenir, vous le faites. Et à ce moment-là, moi je peux répondre à la question qui vous interpelle. Sur la notion d'espace, déjà par rapport à ce que nous on recherche, sur l'équipe que j'entraîne cette année ou que j'ai pu entraîner auparavant, que ce soit dans le secteur féminin l'année dernière, sur une équipe qui joue en Euroleague il y a 6 ans, entre 6 ans et 3 dernières années à Gravelines, c'est la volonté de pouvoir déjà avoir des espaces sur un jeu de transition qui correspond à ce que nous on place sur une action aussi de jeu de demi-terrain. Donc on va partir sur une relation ici de passe à deux, de passe redoublée jusqu'à la ligne bleue. Et on va rentrer dans la volonté de pouvoir jouer déjà avec la volonté de garder la balle sur une structure de ligne raquette-raquette. Toi, tu vas décaler à partir de la ligne bleue, rentrer dans l'intervalle en profondeur pour pouvoir jouer un jeu à deux sur un espace qui est déjà réduit. Parce que jouer un jeu à deux sur un espace beaucoup plus large ne sert pas à grand-chose. Et de rentrer dans l'espace. Celui qui tire et s'en défend, c'est derrière le... Allez, c'est parti. Ah. Allez, mais... Et la partie de la ligne bleue, rentre dans l'espace. Ok. Là, on a enchaîné derrière, enchaîné derrière. Là, ici, on a juste déjà une question d'équilibre dans l'espace et dans ce qu'on va rechercher. Dans ce qu'on va rechercher avec le joueur qui a la capacité à avoir le ballon, dans la relation à deux avec le joueur qui est à l'extérieur, c'est pouvoir rentrer dans un travail de fixation. Rentrer dans un travail de fixation par rapport à un joueur qui peut présenter les épaules à la balle. Rester dans un équilibre entre feinter, revenir, prendre, descendre. Dans la relation, on leur demande vraiment de garder cette ligne ici, donc t'es pas à 2 mètres plus loin, t'es vraiment sur la ligne ici, tu colles la ligne. Toi, on t'a demandé à partir de la ligne bleue de courir dans le couloir extérieur, donc tu cours pas là, mais tu cours là-bas. Ça déjà, c'est des notions d'espace. Si vous n'avez pas la capacité à pouvoir faire comprendre au groupe que vous avez
que dans cette première partie, il y a des espaces à respecter pour pouvoir être capable sur un demi-terrain de respecter aussi des espaces, ils ne pourront pas le faire sur demi-terrain. Ils ne pourront pas le faire. Donc rentre là, dans la notion un peu plus large. Toi, beaucoup plus large. Rentrez dans cette notion, regardez par rapport au défenseur. Comment il défend, dans quelle position, à plat, ouvert à la balle, ou en profondeur ou sous la hauteur. Plus il va être sous la hauteur, plus on va jouer en profondeur. Toi, tu vas jouer sur de la profondeur pour aller au-delà de sa ligne ici, pour pouvoir rentrer dans l'espace sur de la profondeur. Plus il va jouer dans cet espace-là, plus on va faire vivre la balle de l'autre côté. Pour l'obliger à un moment donné, dans la percussion ici, de pouvoir aller, non pas au contact, parce que là je ne peux plus libérer la balle, mais de pouvoir aller chercher l'orientation qui n'était pas de jouer là-dessus, sur une passe en profondeur pour aller chercher le panier. Pourquoi, à un moment donné, on se demande de rouler sur cette ligne ici? C'est parce que là on aura le porteur de balle, là-bas on aura un joueur extérieur, là-bas on fait travailler n'importe quel joueur sur n'importe quelle situation dans la formation, donc il sera sur une position d'extérieur, et on aura nos deux trailers qui vont arriver sur cette ligne ici. Donc le premier travail qu'on fait dans l'espace, c'est quelqu'un là-bas et là-bas. On recule et on continue. On peut rentrer sur des challenges à partir du moment enchaîné. À partir du moment où vous rentrez sur de la mise en place d'exercices, notamment d'exercices où vous jouez sur des deux contre un, mettez des challenges en place. Ça veut dire que sur autant de passages, vous voulez autant de paniers. Si à un moment donné, vous travaillez sur du temps pour les obliger à courir, vous pouvez décider qu'en autant de minutes, vous voulez aussi autant de paniers. Ok, stop. Pour avoir la capacité à pouvoir trouver un bon équilibre en ce que vous voulez avoir aussi ici, c'est réduire le nombre de passes. Réduire le nombre de passes par rapport à l'exercice que vous mettez en place. Quand on joue sur du 2 contre 1, c'est la capacité à pouvoir trouver le tir avec une passe, pas deux, une passe. Demandez beaucoup plus d'agressivité à celui qui a la balle pour pouvoir créer le tir à l'extérieur, puisque tout à l'heure on a parlé d'une défense qui était sur de la hauteur et on jouait dans de la profondeur. Maintenant, si la défense est sur de la profondeur, moi quand je rentre ici dans le dribble et toi tu joues dans la largeur, c'est avoir la capacité d'arriver ici pour prendre le tir. Le tir pour à un moment donné avoir la capacité d'enfoncer, surtout de faire jouer soit les joueurs sur le trailer, le rebond ou à l'opposé. Donc toutes ces capacités à pouvoir mettre en place un exercice sur un vrai rendement vous permettra d'avoir plus de réussite. Allez, et de la vitesse maintenant. Enchaîne, allez sur de l'alignement. Gestion des passes, on le verra sur un jeu, de toute façon, sur une défense individuelle, gestion des passes. L'alignement des bras par rapport aux passes. Un défenseur qui se positionne avec les bras ici sur une gestion, les passes vont passer là, au niveau des hanches, pas au niveau des pieds. Parce que si vous balancez les balles à terre au niveau des pieds, forcément la défense ici touche le ballon. Si vous positionnez les balles qui arrivent ici, avec des bras levés, il n'y a aucune capacité à pouvoir arrêter la balle. Donc c'est vite pour que le ballon passe entre ce secteur-là et là. Allez, enchaîne. Ok, arrête, je fais. On part maintenant dans une deuxième phase où on va commencer à pouvoir travailler, notamment dans ces esprits de course, la volonté de réduire les distances. Donc au départ, vous travaillez toujours sur des distances les plus grandes possibles pour leur faciliter le travail. Et après, vous travaillez sur des distances qui sont diminuées. Diminuées, qui va forcément impliquer un apprentissage auparavant effectué sur plus large pour pouvoir rentrer sur une gestion du plus réduit. Donc là, on va passer sur la volonté de jouer tout le temps sur un jeu à deux, avec un jeu à deux qui ne va pas dépasser les lignes de la raquette et la prolongation de cette ligne. Et on ne s'écarte plus et on va jouer un jeu à deux en ayant la balle qui va circuler là et le deuxième joueur qui va jouer là. Allez, c'est parti.
Allez, attaque sur le dribble. Attaque sur le dribble par rapport à la ligne bleue là-bas. Allez, go. Une passe. Toujours une passe. Et une fois qu'on est parti en dribble, c'est une passe. Gestion de l'attaque par rapport au contact de la défense. Toutes ces situations-là, vous allez les retrouver plus tard sur des éléments offensifs sur demi-terrain. Celui qui a la balle qui veut passer la balle, avoir la capacité d'aller sur de la gestion ici pour mobiliser le défenseur sans rentrer dans le contact. Parce que si je rentre dans le contact, je ne peux pas libérer la balle. Et si je réduis trop la distance, je peux faire la passe.
plus vous avez un public qui va être jeune, plus il faut avoir dans la capacité à pouvoir faire évoluer tout le monde à toutes les places. Plus vous allez avoir un public qui est plus ou moins confirmé, plus vous allez rentrer dans la spécificité de poste qui peut à un moment donné faire des fondamentaux sur de la polyvalence, puis rentrer aussi sur un travail spécifique. On rentre sur un travail à trois. Donc si à un moment donné, moi je travaille là, l'attaque, forcément je travaille avec un surnombre offensif par rapport à ce que je mets en défense. Donc on va faire un 3 contre 2, par contre on va encore diminuer les espaces, on aurait pu le faire 3 contre 2 sur tout le demi-terrain. On va passer à la phase au-dessus, on va jouer un 3 contre 2 sur un quart de terrain. Pas possibilité de faire passer la balle de l'autre côté. Et on ne rentre pas dans la possibilité de faire passer la balle de l'autre côté. On va jouer dans des structures. Ici, on peut faire évoluer tout le monde sur tous les postes. On joue simplement avec deux situations d'arrière qui sont symbolisées par la ligne où le ballon et la ligne extérieure. Et là-bas, on va faire rentrer un joueur intérieur. Rentrer dans la course. Ok ? Donc pour l'instant, une ligne. Okay. Rentrer dans la largeur. Ici, rentrer dans la capacité à regarder. Regarder la défense pour jouer soit dans la profondeur, soit passer devant. Le ballon, c'est le faire vivre. C'est rentrer dans la capacité à pouvoir passer la balle. Passer la balle pour pouvoir enchaîner ici. Et si à un moment donné la défense passe la balle là-bas, ok ? Plus la défense va être haute, plus moi je vais travailler dans l'intervalle bas. Non pas pour aller me positionner là, parce qu'on verra par rapport à des situations où quand moi je fais des écrans, ça peut être des écrans en diagonale pour faire descendre un joueur intérieur. Combien on a de joueurs intérieurs qui en fin de compte utilisent l'écran ? L'écran s'il te plaît, et qui viennent là. Pour aller au poste bas. Ok ? C'est pas ça qu'on lui demande. On lui demande ça pour aller là. Donc rentrer tout de suite, et cet exercice de course et d'occupation de l'espace par rapport à un jeu de transition, il est important. C'est rentrer dans le schéma offensif où on veut avoir le maximum de chances de marquer un panier. La défense, elle est recrutée, je viens là, 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 il reste haut et je viens là, boum, là. Et la balle, tu ne la mets pas là, tu la mets là. Pour prendre et partir. Plus lui, il va défendre en bas, plus l'espace, je vais aller chercher dans le contact. Et toi, tu vas regarder où est l'ouverture. C'est rentrer là, là, viser son épaule, là, passe la balle là. Et passe là. Allez. Ou deux, c'est création d'espace au-dessus de la ligne. Avoir la capacité à gérer les espaces ici, sans rentrer dans l'intervalle de l'autre. Ça veut dire qu'à un moment donné, si j'ai mis ici dans cet espace, si à un moment je fais ça, lui il décale pour pouvoir ouvrir de nouveau. Si lui il vient, il sort, il va rentrer là et après ça va rentrer là. Donc rentrer dans cet espace de gestion. C'est bon ? Allez. Redescend et prends la vitesse. Allez. Et il y a ce qui passe, bien. Encore. Voilà. La balle, on veut qu'elle vienne à l'intérieur dans un premier temps. On veut donner la balle à l'intérieur. Avec aussi la position de la défense, on ne peut pas jouer. Donc il faut réellement se trouver dans cette
à pouvoir produire, un, du jeu, deux, dans des petits espaces qui peuvent vous apporter beaucoup plus d'agressivité. Passe devant lui, il va aller en profondeur, passe devant lui. Tu vas pas aller chercher son dos, il va emmener qu'il est dans la ligne panier-panier, tu vas passer devant. Rentrez dans la gestion d'espace par rapport au défenseur pour créer votre tir. Allez, c'est parti. Je ne peux pas avoir la balle, ressortir pour de nouveau.
de situation où on a des joueurs sur médian. Donc sur le grand sabot là, c'est pas ici. Pour le joueur qui passe la balle. Sur quasiment tous les joueurs qui ont évolué là devant vous sur l'exercice, le joueur qui avait la balle était là. Là. Balle en main, ils étaient là. Mis à part jouer au volet et faire ça, je ne peux pas jouer au basket. Hein. Ok ? Moi, je me pose la balle, c'est là. Pour là, pour dribbler, pour tirer. Là. Là. Mais là, là. Pas ici. Donc c'est pareil. C'est des situations où, à un moment donné, avoir la capacité d'avoir la balle là, 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 monter, là, là, passer. Avoir la capacité de jouer dans l'agressivité, mais pas la mettre là. La mettre ici. Si possible là, avec aussi la protection du corps. Une fois que la balle rentre sur la profondeur, on a la faculté d'ouvrir. D'ouvrir et jouer sur de la gestion d'espace. Qu'on retrouvera sur une défense individuelle demi-terrain. Ça veut dire qu'une fois que j'ai mis la balle là, je regarde. Vous allez mettre en place des principes. Si vous mettez des principes bruts, ok, ils vont évoluer. Ça veut dire qu'à un moment donné, ils vont évoluer sur ce que vous allez faire passer. Si maintenant, vous leur faites comprendre que par rapport à l'attitude de la défense, il y a différents moyens d'évoluer, forcément, vous allez donner un bagage technique plus important à vos joueurs. Vos joueurs. Ça, défense. Elle est dans cette capacité. Le joueur reste dans le contact. Le joueur reste dans le contact. La volonté dans celui, on l'a dit, celui qui est la balle, c'est créer du jeu. Combien de fois on trouve une volonté tactique, okay, de mettre la balle à l'intérieur, on a un cheminement d'écran ou de course qui fait que lui reçoit la balle, et lui reçoit la balle, il joue pas. Aucune agressivité. Il n'attaque pas l'intervalle, il ne fait pas face au jeu pour jouer, il n'est pas dans les appuis pour pouvoir tirer, ce qui fait qu'à un moment donné, on n'a rien. Faire comprendre que la situation dans laquelle il a la balle, c'est pour qu'il joue. Pour qu'il joue. Par contre, pareil, à un moment donné, c'est jouer mais avoir ça. Parce que si lui reçoit la balle, que défensivement, on a une aide qui se déclenche du poste haut, mais toi on attaque ici. On a ça, là. Lui, c'est voir que l'aide est ici avant de jouer. Donc dans l'apprentissage, c'est aussi des choses que vous allez travailler sur demi-terrain à 3 contre 3 avant de passer sur du 5 contre 5. Pour qu'effectivement lui soit capable de lire avant de rentrer dans une succession de jeux offensifs où il va perdre 50% de ses moyens parce qu'il ne va pas être capable de regarder. Si à un moment donné, on a des situations d'aide qui viennent de la profondeur et de la ligne de fond, c'est pareil, c'est regarder au-dessus de son épaule, mets-toi là-bas pour recevoir la balle, c'est dans l'enchaînement, passe la balle là-bas, c'est dans l'enchaînement, quand tu perçois la balle ici, c'est tout de suite regarder où se positionne l'aide, où se positionnent les joueurs pour jouer ou ne pas jouer. Si les relations défensives sont hors peinture, reprends la balle, tu passes devant. Non, en défense, tu passes devant. Ok ? Toi, tu vas chercher l'appui en feu et tu fais monter. Cherche ton maintenant, cherche ton appui. Non, fais ton appui, rentre ses jambes, rentre ses jambes. Entre ses jambes, voilà. Tu le poses, tu le maintiens. Ok ? Rentrez dans cette profondeur-là. Tourne-toi et fais l'inverse. Rentrez dans cette profondeur-là. Ok ? Tant que le défenseur est là, je peux faire la passe. Ça veut dire que là, on a parlé précédemment dans le jeu à 5 contre 5 de sa volonté de regarder une fois qu'il a balle où elle est. Maintenant, c'est lui. C'est lui qui va regarder à un moment donné dans le jeu à 5 contre 5 si la balle, effectivement, elle peut aller là. Parce que, un, la dimension de profondeur, elle est faite parce que lui, il va faire remonter la défense, pas vouloir passer devant, mais obliger la défense à remonter, et il va faire la passe parce qu'à l'opposé, moi, je vais être excellent en raquette. Donc la balle en profondeur, mais lui, ok, lâcher le contact une fois que la balle, elle est sur la hauteur,
ballon pour pouvoir prendre et tirer. Maintenant, garde la balle. Si moi je suis là, ça ne sert à rien de mettre la balle. C'est à un moment donné, jouer dans les rapports de force, dans les renversements, pour pouvoir aller donner quelque chose là-bas. Et si on n'a pas ce rapport de force avec le transfert de ballon pour aller jouer là-bas, c'est lui avoir cette faculté de faire ça, de rentrer dans l'intervalle là, pour faire ça, et toi dribble. Rentre dans l'intervalle. Il n'y a pas de rotation, hein, puisque lui, il est dans mon dos. Et s'il n'y a pas de rotation, et que lui, même en étant ici, il est obligé de se positionner ici pour faire face. Si moi, dans la structure du 3 contre 2, je travaille avec lui, 0 degré, et un qui rentre dans l'intervalle ici, qui peut recevoir une passe à terre, forcément on est gagnant. Cette structure d'intervalle sur du jeu demi-terrain, vous la retrouvez forcément à un moment donné dans votre structure A5. Forcément, vous la retrouvez dans votre structure A5. Parce que quoi qu'il arrive, vous avez toujours des relations avec la balle à 45 degrés et un joueur qui se situe en poste bas. Donc on va rentrer avec le ballon ici, un défenseur ici, peut-être en défense, et on va faire rentrer un joueur de plus. Donc on va jouer à 3 contre 3, restez ici au milieu, vous faites des groupes de 3, ok? On fait la défense, vous sortez, l'attaque, vous passez en défense, et ici on a 3 attaquants qui jouent. Passez la balle dedans, combattre pour passer la balle dedans, regardez comment se positionne la défense. Une fois que j'ai attrapé, okay, rentrez dans la intervalle. Si la défense elle vient, jouez dans la profondeur. Si la défense ici vient, jouez dans de la hauteur. Ok? C'est bon? Allez, c'est parti. Allez. Stop! À l'agressivité, il joue pas. Vous mettez un plot ou un fastball là à sa place, c'est la même chose. La même chose. Vous avez un oeil. L'exécution par rapport à ce qu'on veut. Allez, oh. Là, et un autre là-bas. Un autre là-bas. C'est là-bas. En attaque. Allez, voilà. Allez, tour. Donc là, on a un travail qui est basique. Okay. Basique par rapport à ce qu'on demande. Mais si à un moment donné, on ne maîtrise pas ça, attraper, réceptionner, poser les appuis, être capable de lire, on ne peut pas jouer. Vous comprenez que si vous faites l'inverse, ça veut dire que si vous mettez en place des structures à 5 contre 5, directement, sans avoir un travail fait sur demi-terrain, avec des bonnes attitudes, avec un travail d'espace, avec la capacité d'avoir la justesse dans les déplacements et dans les espaces, votre 5 contre 5 ne sert à rien. Ne sert à rien. Allez, en fait. Allez, tu défends, tiens, on est là, c'est que tu peux travailler. Voilà, tiens. Allez, enchaînez. Voilà, bien, allez. Relation à deux. Entre les deux passes. D'accord. Lance de deux passes. On reprend ta balle ici, stop. Pareil, on va y venir dans le jeu à 5 contre 5. Angle de passe. Combien de fois, lui, manque de patience pour passer la balle à l'intérieur? Ça veut dire que l'intérieur, il est en train de travailler avec ses appuis, surpasser, mettre le bras, engager pour demander la balle là, et la balle là, elle arrive. Il ne peut pas. Il ne peut pas travailler au sol, et en même temps travailler au sol, contester. Ici, rentrer en contact avec le défenseur pour aussi préparer ses bras à rentrer. Donc là, responsabilité de la patience. Ça veut dire que si on lui demande de la patience, il faut qu'il soit dans de l'agressivité. Et surtout pas sur réception. Fais-moi la passe, s'il te plaît. Parce que là, il n'y a plus aucune agressivité. Donc dans les fondamentaux, même à 5 contre 5, là, c'est ça.
Ok, c'est ça, là, là. Et une fois que j'ai dribble, mais en protection. Là, pour un moment donné, pour pouvoir lui permettre d'avoir ses appuis et passer la balle à l'intérieur. Deuxième fois, joueur intérieur. Un angle. Donner un angle de passe. Ouvrir un angle de passe. Ça paraît complètement bénin. Le problème, c'est que si lui défend au-dessus, que je suis là, là, ok, et avant que la balle arrive là, j'ouvre. Vas-y. Là. La balle, elle arrive là. Jamais. Donc avoir une capacité là-dessus, dans le travail des fondamentaux défensifs, offensifs, rentrer là, là. Et là, j'engage. En parlant toujours de la capacité à poser simplement une fois la balle par terre, engager au milieu, au maximum. Et si possible, avoir l'engager, le poser et monter sans dribble. Allez. Allez, contrôle, contrôle. Bien, attaque le mien balle. Engage le coup de terre. Bien, bien. Voilà, pas mal. Allez, enchaîne. Allez. Bien. Là, on est dans les situations où, à un moment donné, on arrive dans une meilleure gestion et une meilleure attitude par rapport à ce que fait la balle. La balle, il va là. Il a sur de la profondeur. Je passe la balle. Il ne joue pas le 1 contre 1. Parce qu'il est proche. Okay. Il ne peut pas renverser parce qu'à un moment donné, il n'a pas la faculté. Ou à un moment donné, là-bas, il y a déjà une rotation qu'il va faire. Je passe la balle, je bouge. Je viens dans l'espace ici. Je rentre dans l'espace. L'espace ici, en règle générale, on va le faire occuper que par une seule personne. Un seul joueur ou joueuse. Pas faire rentrer deux. Avoir la capacité de jouer sur une ligne panier-panier pour rentrer dans cet espace-là, continuer à jouer dans la profondeur. Combien on a de joueurs qui sont sur des situations d'agressivité dans un premier temps, c'est rentrer là pour attaquer ici. Par contre, si une fois que je traverse la ligne, c'est là. Non. Ça va jusque là-bas. Parce que foncièrement, les joueurs défensivement sont capables de rentrer dans la contestation. Bien. S'il te plaît. Là, là, il est capable de rentrer dans la contestation. Par contre, quand il est là, il va tourner la tête. Si moi je viens là et je fais ça, ouvre-toi sur la ligne de fond et là je pense voir la balle. Donc c'est rentrer dans de la hauteur pour jouer dans la profondeur. Par contre, si là j'ai pas, je joue de nouveau dans la profondeur. À l'opposé. Et une fois que j'ai quitté cette situation-là d'agressivité sur cercle et de la profondeur, je laisse quelqu'un revenir dans la profondeur, là. Ça va faire. Ok ? Donc voilà, là, ça. Écarte-toi un peu. Lui, attends, il passe, il rentre dans la profondeur, il vient là. Allez. Et là, on a de la mobilité qui s'effectue. Dans de l'attaque et de la hauteur. Ça veut dire qu'à un moment donné, même s'il y a des rotations qui viennent des lignes de fond ou du haut, on aura toujours une situation favorable pour l'attaque. Allez, allez, voilà, ça va. Ouvre-toi, viens, 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 viens. T'as posé ta balle par terre, t'as pas joué le 1 contre 1. Change. Allez, tu le rentres. Allez, rentre dans l'espace. Viens, viens. Allez, on recommence.
recevoir précédemment la balle à l'intérieur qu'avant de sortir la balle pour venir à l'extérieur. Pourquoi il va driver? Ça sert à rien. C'est attraper, passer, arrêter d'être là pour sortir la balle. Combien on a joué à l'intérieur qui porte la balle dans la plateau et qui se font voler la balle par les petits? C'est ça, là, pour ressortir ou pour jouer. Mais pas de dribble là, il faut vous féliciter. Allez, on a vu quelques principes par rapport à la volonté d'appel de balle sur un poste extérieur. On a eu la volonté de pouvoir avoir des équilibres qui sont à l'opposé sur des gens qui jouent en profondeur ou sur de la hauteur et qui enfoncent la défense pour de nouveau l'agrandir. Offensivement, vous ne pouvez jouer que si à un moment donné, vous faites en sorte que la défense soit à plat pour pouvoir avoir un tir extérieur. Si maintenant vous voulez mettre un ballon à l'intérieur, il faut que la défense vous la fassiez remonter pour pouvoir mettre un ballon à l'intérieur. Il faut toujours jouer sur des principes à la base, contraires de ce que vous allez vouloir rechercher, pour avoir la meilleure qualité possible. On rentre là-dessus, on met deux des attaquants, trois attaquants. Rentrez dans le principe qu'à un moment donné, pour que vous puissiez rentrer dans un fonctionnement à 55, que si lui prend la ligne de fond, ok, il peut la prendre pourquoi? Parce qu'ici, on n'a pas de joueur qui occupe le poste bas. On peut avoir un joueur qui occupe cet espace-là, on peut avoir un joueur qui occupe cet espace-là, ou un joueur qui occupe cet espace-là. Et on lui donnera la possibilité de prendre la ligne de fond si à un moment donné on n'a pas de joueur. Rentrer dans une stratégie offensive, d'ouvrir l'intérieur, d'ouvrir le 0 degré. Pour un, avoir cette capacité à jouer dans le rebond, dans la rotation fermée pour prendre son tir. Deux, avoir la capacité de remonter dans l'intervalle ici pour recevoir la balle tirée. Trois, avoir la capacité d'ouvrir à 0 degré pour recevoir la balle tirée ou de nouveau créée dans un espace libre. Donc vous avez passé là-dessus. Et à 3. Jouer à 3. Une fois que tu as fait la passe, tu libères un espace où tu peux aller. Et on repart sur 3 passes. Donc il libère son ballon. On a 2 passes encore à faire pour avant de tirer. Donc rentrer dans ta gestion. Occuper les espaces et bouger la balle. Allez, c'est parti. On va regarder un petit peu comment ça produit. Et comment ça produit, comment ils peuvent produire du jeu à 3. Avant de rentrer dans une structure, on va leur imposer des choses. Allez, jouez, jouez. Allez, regarde ce qui se passe. Viens, 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 encore. Allez. Mobilité. J'ai la balle, je bouge. J'ai pas la balle, je bouge, je vois un nombre de passes. Jamais je suis comme si j'ai un temps. Allez. Trois pas, je tire. À la troisième page, je tire, je vais tirer. Allez. Et avoir cette capacité à pouvoir occuper des espaces qui peuvent être à un moment donné importants, précis, et qu'on va pouvoir nous organiser par la suite par rapport à ce qu'eux ils produisent en tirant. Allez, encore. Allez. Ballon, tu drives dans l'intérieur et tu regardes ce qui se passe. Viens, allez.
type d'exercice. Ce type d'exercice, il va vous donner à un moment donné la capacité à chacun de savoir ce qu'ils sont capables de faire. Un, parce que vous avez la gestuelle individuelle. Deux, parce que vous avez la compréhension des espaces. Trois, parce que sur l'habileté technique, vous avez aussi des repères qui sont importants. Mais sur un drive comme ça, il ne va pas être dans la capacité de pouvoir prendre les tirer.
va avoir la défense qui va suivre. On va juste ouvrir des brèches là-bas pour l'intérieur. Par contre, on est dans la situation là, on est dans la situation là. Et il y a un sac d'abord parce que tu n'es pas aligné. Donc les situations, elles vont être comme celle-ci. Là, on est à 5. On est dans une structure, on est là. Ok ? Là. Lui, il part. Lui, il agrandit. Lui, il est dans l'intervalle. Et moi, je joue dans la fenêtre. Dans la fenêtre, ça veut dire que je vais jouer par rapport à sa position. À sa position et à la capacité de pouvoir recevoir la balle. On part. Ok, attaque. Ce qui me permet à un moment donné, sur une fin de jeu, avec une balle à 45 degrés, une attaque en ligne de fond, parce que je suis obligé de créer et que la défense m'interdit la prise de milieu, de retrouver un équilibre avec deux joueurs qui sont dans la faculté de pouvoir créer un tir extérieur sur la défense. Il va être, comme l'a propos, ici, amassé tout seul parce qu'il va avoir une rotation. Et forcément, avoir un jeu là-bas à 2. Et pas en défense, il peut faire comme 2. Et toujours rentrer dans ces principes. Si la balle vient là, il n'y a pas de problème, c'est lui qui enchaîne sur le tir. Si la balle vient là, il n'y a pas de problème, lui, il peut créer de nouveau le petit tir dans le petit périmètre. Si la balle vient ici, ok. Gérer l'espace. Gérer l'espace, travail individuel par rapport à un 2 contre 1 sur des renversements. Reste en bas. Si le joueur reste en bas, il aura la capacité de rentrer pour le tir. On l'a dit, ici, de poser ses appuis, tirer. Être capable de tirer, de mettre devant. Deux, si maintenant on a un joueur qui est beaucoup plus athlétique sur ce poste-là de transfert, et que là-bas j'ai un shooter, et je sais que c'est le shooter, parce que le coach il me l'a dit, et parce que lui, pendant toute la séance, il a été, c'est lui qu'on veut retrouver. C'est avoir la capacité de rentrer dans de la fixation basse. Donc ça veut dire que quand tu vas jouer après, la balle arrive ici. Ok, c'est rentrer là, passe, mais un dribble. Un dribble dans l'intervalle. Un dribble dans l'intervalle, pas ici. Le petit dribble, hop, vas-y. Le petit dribble que je fais ici, là, je passe. Non, qui sert à rien, qui sert à rien. Dans l'intervalle, pour faire ça, là. Et lui, c'est tirer son dribble. Et si à un moment donné, il y a la projection, comme on a vu, il court vers moi avec les épaules orientées ici, c'est pas de brique, c'est passe, parce qu'il n'aura pas le temps de se retourner et courir. Par contre, si j'ai comme ça, là, je vais être obligé de dribbler, parce que là, il peut courir. Là, par contre, là, il ne va pas être capable de pouvoir aller aussi vite que la balle, parce que ses appuis, ses épaules sont face à celui-ci. Allez. Allez, go. Rentre dans l'intervalle. Bien. Regarde. Tire. Allez, on recommence. Je vais mettre 5 plus que allez. Descends les passes, celui qui a fait la passe. Ok ? Donc c'est avoir la capacité de faire quoi? En règle générale, on est toujours sur la continuité de course. Et là, et par contre, ça. Vous avez des joueurs pour la balle là, vous pouvez donner la balle à l'intérieur en poussant un autre point.
combien de joueurs on a qui sont en foot ou en tête de lancer franc, qui sont là, qui veulent donner la main à l'intérieur, pas d'espace. Jouez sur la ligne. Derrière, on voit différents sujets. Allez, hop. C'est exceptionnel. C'est ça. On va partir, ok? Tout ce travail en amont est important dans la compréhension. Que vous soyez sur n'importe quel niveau, ça veut dire que, à un moment donné, vous réceptionnez un joueur dans votre groupe. Ce joueur a évolué avec différents entraîneurs, qui lui ont chacun apporté quelque chose, apporté des principes, de temps en temps, des choses qui sont complètement fermées. Donc le joueur peut faire une chose, mais pas deux. De temps en temps, il a eu une formation où, à un moment donné, il a eu une liberté, et il commence à comprendre le fonctionnement. Le joueur, là, il n'est pas seul hein, sur le terrain. Il a 4 partenaires, il a 5 adversaires. Si, un, il ne sait pas ce qu'il doit faire, il ne peut pas jouer. Mais en plus, s'il ne sait pas ce que les autres peuvent faire, il ne peut pas jouer. Et si en plus, il n'est pas capable de lire son défenseur et la défense, il ne peut pas jouer. Alors, oui, il peut jouer à un niveau qui est le sien. Et c'est pour ça qu'on a des joueurs qui jouent à haut niveau et des joueurs qui ne pourront jamais jouer à haut niveau. Parce qu'il y a des qualités forcément athlétiques qui existent et qui sont de plus en plus importantes sur le haut niveau. Mais il y a ça. Il y a ça. Et ça, ça se travaille dans la formation. Pour qu'à un moment donné, à la base, on puisse avoir sur le terrain des gens qui puissent avoir une certaine polyvalence dans le jeu et une compréhension qui fait qu'on peut les utiliser. Les utiliser sur différents principes. Mais il y a aussi les joueurs qui sont hyper spécifiques. Vous en avez dans votre équipe, j'en ai dans la mienne, des joueurs qui ont entre 25 et 32 ans, des joueurs professionnels que vous ne pourrez pas faire évoluer, qui ont un bras extraordinaire, ok, ça y va, n'importe quelle position, attraper, dribble, tir, parfait. Par contre, dès qu'il pose 2 ou 3 fois la balle par terre, une horreur, il ne peut pas jouer, il ne peut pas jouer le 1 contre 1, parce qu'il n'est pas assez athlétique, parce qu'il n'est pas assez vite, parce qu'il n'a pas le dribble à un moment donné performant pour rentrer dans les intervalles, parce qu'il n'a pas la gestuelle qui fait qu'à un moment donné, il peut attraper, dribbler, passer. Donc lui, forcément, moi, dans ce que je vais produire dans le jeu à 5 contre 5, je l'ai identifié au préalable par rapport à des exercices qu'on fait là, et je vais l'utiliser que sur de la réception tir. Donc je vais faire en sorte que le jeu soit créé par les autres dans les intervalles, pour que lui soit dans des situations où je vais faire courir, prendre des écrans, sortir des écrans et tirer. Et si la première fois il reçoit la balle et il ne tire pas, je dirais « Tire !» Parce que si toi tu ne tires pas, l'autre il ne le fera pas. Et là on tombe sur des principes de jeu où à un moment donné, chacun a sa place. Chacun a sa place. Mais plus on a polyvalence, meilleur on est. Situation du milieu là. Il va jouer sur l'intérieur en bas. On est dans une situation, ok, le schéma offensif. Donc là, on a un schéma offensif, on occupe des espaces. Les espaces qu'on peut occuper sur le schéma offensif, bien. Okay. On peut jouer sur de la profondeur, donc on peut avoir deux joueurs qui sont des joueurs intérieurs sur de la profondeur, tout en sachant qu'on est toujours dans la volonté d'ouvrir les espaces. Si
jamais on a ça, il y a deux solutions. Soit lui rentre dans la volonté d'attaquer le petit corner, de laisser lui rentrer dans le rail, et on a lui qui va jouer dans la profondeur. Donc toi, tu restes large. Lui, attaque le rail, je peux jouer dans la capacité d'aller chercher le ballon là, mais si je fais ça, toi, tu t'écartes encore un peu plus. Reprends. Si moi, je viens ici, toi, forcément, tu vas descendre pour aller là-bas. Vous allez avoir 4 joueurs du même côté et un seul à l'opposé. Et vous pouvez rentrer aussi sur des principes qui ressemblent à ceux que vous mettez sur l'individuel, mais à ce moment-là, vous pouvez aller jusqu'à 4 joueurs côté ballon pour jouer vraiment dans les intervalles. Notamment, ces 4 joueurs, ça peut être un joueur qui joue sur la profondeur, donc
qui va se balader sur la ligne de front. Donc de temps en temps, il va aller là sur la zone pour demander la balle. Soit tu vas être là, soit tu vas être là. Et on va avoir un joueur qui va entrer ici pour pouvoir de temps en temps faire ça et renverser les là-bas pour aller chercher le shooter. Donc sur la zone, on va retrouver des situations à 4 côté ballon. Depuis le début, là. Sur l'individuel, on en trouvera que quand on aura des situations de mismatch, ça veut dire des situations où on a grand, petit, petit, grand, mais souvent petit contre grand, et on libère des quarts de terrain. Ça veut dire que toi, ok, t'as la balle, tu défends. Ok, si on a un joueur qui est beaucoup plus grand en défense, lui, il est beaucoup plus actif dans son drive, tu libères le côté, et la main va jouer à toi en profondeur, toi ici, toi tu vas jouer là, et moi je vais jouer ici. Voilà. Et lui, ici, tu n'as le quart de terrain pour fonctionner. Mais c'est des choses qui sont sur un travail spécifique par rapport à un cheminement de système ou de mise en place, ou alors une situation qui lui permet de jouer. En sachant qu'on lui donnera beaucoup moins de solutions que remonter la balle dans l'axe, remonte la balle dans l'axe, remonte la balle dans l'axe, descend, viens en défense, remonte la balle dans l'axe, ok ? Et moi, je suis là. Et là, on lui donnera beaucoup plus de solutions parce qu'il va occuper une situation offensive où il va avoir la liberté de jouer pour pouvoir créer pour lui, en sachant que si à un moment donné il crée pour lui, on lui fera comprendre que passer en dessous de ça, ça sera la passe. Parce qu'il ne pourra pas aller chercher le tir. Sur des joueurs qui sont en profondeur comme ça, ça sera la passe. Par contre, le faire travailler énormément sur un tir à ce niveau-là, ça sera quasiment une obligation, ou un tir à 3 points. C'est pour ça que si moi je veux lui donner le tir à 3 points, pour le tirer ici, et s'il va plus loin, trouver les finalités sur les tirs, sur les petites passes à terre, sur les intérieurs de flash, ou les passes qui giflent sur l'extérieur pour le tireur, c'est de lui faire comprendre que dans le 1 contre 1, il ne commence pas là. Mais il prend de la distance, et il commence là, pour prendre de la vitesse. Ou à un moment donné, faire descendre la défense, et si la défense, elle descend sur une situation d'un 4, ici, c'est les deux là-bas qui remontent, toi, tu es dans le corner, tu remontes, ok, tu prends la place sur le monde, ou fermer ici, passer devant, et c'est qui rebond ou passe. Voilà. Donc, c'est les seules situations où on est sur l'ouverture. Après, ça tombe sur du jeu à 3, du jeu à 2. On prend la situation, une fois là, on prend la 45, on passe sur la situation. Ah, ok. Évolution. Évolution du système A5. Sur le système A5, sur demi-terrain, c'est toujours donner la capacité à dire vous avez une entrée. Ok ? L'entrée qui passe, dribble. Passe, dribble. Une entrée qui peut être ça. Ok ? Je rentre dans l'intervalle, je vais à l'opposé, je joue ma main. L'entrée, elle est sur la passe. L'entrée, elle peut être sur le dribble. Je le chasse. Ok ? Elle peut être sur le dribble dans le main à main. Ça veut dire que si lui, je dribble, il vient vers moi, là, on travaille dans un main à main. Ok ? Donc, on peut avoir des entrées qui peuvent être différentes. Le but, c'est, quand vous expliquez, de rentrer dans une globalité. Donc vous faites la globalité. Une fois que tout est emmagasiné sur les fondamentaux, faites la globalité du jeu, okay, que vous préconisez. Après, vous le découpez. Vous le découpez sur certaines phases. Des phases qui vous paraissent importantes dans ce que vous allez rechercher dans la première passe. Okay, le travail du jeu à deux. Ça veut dire que si votre entrée est sur la passe, lui, il faut qu'il soit démarqué. Donc il faut aller chercher le travail du démarquage. Il faut aller chercher le travail d'agressivité pour qu'il puisse porter la balle. Ok, ici, dans un espace, je peux passer la balle. Si moi, je garde la balle là, mais pas en défense, ok, et que lui, il me repousse au bout de moi, et qu'il m'oblige à rester là et que je dois faire la passe là, elle va être dangereuse. Parce que dans la réduction de distance, je vais permettre à la défense de prendre les intervalles. Donc il faut que je descende, là. Et si à un moment donné, il rentre encore plus, il faut que je lui fasse comprendre que dans une pression et une surpression défensive, le meilleur moyen, c'est de jouer le 1 contre 1 dans les intervalles et pas subir. Donc c'est de travailler là-dessus. Après, une fois que vous avez travaillé sur vos séquences, c'est faire comprendre que si la balle vient là,
Vous, vous allez préconiser une passe, mais qu'à un moment donné, bah, dans votre système offensif, bah, la passe, des fois, elle n'est pas non plus possible. Donc, c'est quand même, puisque votre jeu, en priorité, c'est mettre le ballon à 45 degrés, c'est faire comprendre dans une deuxième partie que ce joueur-là peut prendre sa place en pivot. Et que lui, il va prendre ma place. Ça veut dire que si à un moment donné, prends la balle, et voilà, tu avais pas, tu coupes et tu vas à l'opposé. Passe la balle, coupe et va à l'opposé. On avait ça, et dans n'importe quelle structure. Il faut faire comprendre maintenant, regarde ce que c'est, que dans cette structure, si on fait ça, c'est pareil. C'est pas parce qu'à un moment donné, vous mettez en place un jeu, qu'une passe est coupée, qu'on finalise pas le jeu. Combien de fois vous essayez de mettre des choses en place, la première passe elle est pas possible, et ça y est, c'est fini. C'est le foutoir. Tout le monde court partout, on fait n'importe quoi. Non, non. À un moment donné, c'est par étapes, des étapes. Ok, si on peut pas faire la passe, on continue et on rentre. C'est pour ça qu'il est important que chacun connaisse, un, ses déplacements, mais connaissent aussi les autres. Parce que ça permettra à enchaîner correctement sur ça et à savoir aussi ce que je peux faire. Quand moi, j'ai la balle ici, là, ok, on part sur n'importe quel mouvement. Prends ta balle, s'il te plaît. Toi, tu vas prendre l'écran de l'Allemagne, ok, pour le faire entrer. Ok, donc, combien on a de joueurs qui rentrent dans l'agressivité avec la balle en main, rentre, une fois qu'il prend l'écran. Au départ, beaucoup. Au départ, beaucoup. Donc, c'est lui faire comprendre que ici, moi, je peux attaquer l'intervalle. Moi, j'ai une à deux secondes pour attaquer l'intervalle une fois que je mets à l'espace. Là, je peux. Mais c'est deux secondes, pas plus. Parce que si à un moment donné, j'attaque l'intervalle quand lui vient, on va être deux sur le même poste. Et on ne peut pas jouer. Donc c'est un, lui faire comprendre qu'au départ, c'est un acte de patience. Ok, on revient, on revient là. C'est un, être patient. Donc on a parlé des petits gestes parasites qui sont ça, ça, et arrêter, là on est mort. Donc une fois que j'ai la balle, je regarde. Ok, c'est ça. Si je veux un peu de patience, c'est ça pour venir. Et si je suis plus dans l'agressivité, parce que lui, il met une forte pression, et parce que je sais que la ligne de fond, elle est dégagée, parce que lui, il s'en va. Une fois qu'il s'en va, si lui, défensivement, la défense est focalisée par rapport à l'écran en général pour bumper l'intérieur, moi je peux prendre la ligne de fond. Mais je sais qu'on la balle. Je sais qu'à un moment donné, si je prends la ligne de fond, c'est parce qu'elle est libre. Donc je ne vais pas m'amuser à attaquer l'intervalle là. Et si je veux attaquer l'intervalle ligne de fond, je vais certainement mobiliser un peu plus mon défenseur là, sur une attaque d'un dribble, pour pouvoir partir en ligne de fond. Sauf si dans la lecture, mon défenseur, au lieu de défendre à plat, défend là. À ce moment-là, s'il défend ici, je vais pouvoir jouer là. Sauf si dans la lecture, mon défenseur, par rapport à son appui qui est en dessous, est au-dessus. Ça veut dire qu'il est là. Et là, je vais démarrer en départ croisé. Croise que mon appui vient poser là. Au-dessus de lui. Donc ça, c'est du travail de fondamentaux. Hein. Mais fondamentaux perfectionnement. Ok, c'est pas d'apprentissage. Mais c'est de leur faire comprendre qu'à un moment donné, il y a des espaces temps qui sont importants par rapport à ce qu'on crée. On prend la balle. Vous comprenez ? On peut trouver, ok, sur ces emplacements-là, ce qu'on peut trouver, on va dire, dans des cheminements différents, sur du 5 contre 5, pour trouver un espace. Ok, on arrive là, on rentre dans l'intervalle, ok, lui, on va le faire chasser, il va partir, bien, ok, stop. Une fois que j'ai la balle là, je vais rentrer dans la volonté de la balle.
alignement, je ne peux pas la recevoir, c'est impossible. Impossible. Donc il faut casser, donc je viens là. Maintenant, une fois que lui il est chassé, on va faire évoluer la situation pour rentrer dans un schéma à 5 contre 5. Ok ? Tu es chassé, tu vas partir en diagonale. Stop. Donc tu viens ici, tu n'as pas la balle, tu vas en diagonale. Toi, tu reçois la balle. Ok, stop. On a parlé d'alignement. Donc on va rompre l'alignement. Toi, tu vas sortir, donc lui, il va rentrer. Tu sors, tu rentres, tu viens là. Stop. Ok ? Quand lui, il part, hop, tu portes écran sur lui. Tu passes la balle et tu portes écran là-bas. Stop. Le temps où les deux portent la balle ici, lui, il peut jouer l'intervalle dans le dribble pour jouer le 1 contre 1. Mais on sait qu'il ne pourra pas aller en ligne parce que ça va être difficile, même, sauf s'il a la capacité d'aller mettre la balle dans le cercle. Donc on va lui donner le 1 contre 1 et on va lui dire si tu crées ton 1 contre 1, c'est pour tirer et pas forcément aller au bout parce que tout le monde est en profondeur là. S'il n'a pas la possibilité de jouer et si on veut trouver autre chose, toi après ton écran, pas d'écran. Trois écrans, stop. À chaque fois qu'on trouve des écrans, on a des situations de solution. Et meilleur votre jeu offensif à 5 contre 5 sera bon quand vous donnerez plusieurs options. Plusieurs options de passe et pas qu'une seule. Par contre, si vous en donnez plusieurs, n'ouvrez pas les passes au même moment. Parce que sinon, ça ne sert à rien. Faites les escaliers. Première option, deuxième option. Ça veut dire que le premier à utiliser les grands, ça va être lui. Utilise les grands. Ou, et le deuxième, il va être là. Pour avoir un, le premier, la première volonté, si vous avez la balle à l'intérieur, si c'est pas possible, tu vas renverser. Et toi, dans ta continuité, tu vas de nouveau poser un écran sur toi qui sera arrêté. Là, extérieur, c'est ça. Ok. On le voit un petit peu, on prend la balle. On y va tranquille. Ok. Tu chasses, tu renverses, diagonale, diagonale, passe, ok, passe, hop, passe, rentre, rentre, passe, 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 rentre, tout dans le droit. Donc, écarte, rentre et aiguille. Ok. On est en place. On a de la mobilité, on a du jeu intérieur, on a du jeu extérieur, on a de la création et on a la capacité à faire comprendre. Le plus important, si vous en avez la possibilité, utilisez le moyen des 24 secondes sur vos entraînements. Utilisez-le. Travaillez sur demi-terrain avec 16 secondes. Ok ? Travaillez sur demi-terrain avec 16 secondes, comme ça vous leur donnez déjà une notion de temps. Même si vous le faites à vide, comme ça, ça permet aux joueurs de compter le nombre de passes, de savoir où se situe la balle par rapport aux 6 secondes qui va rester, en sachant qu'on part toujours du principe que quand il reste 6 secondes, c'est tir, passe, tir. C'est soit je tire, soit je passe et je tire. C'est pas autre chose. Ça veut dire que celui qui a le ballon à 6 secondes, il doit créer pour lui. C'est soit on a créé auparavant pour lui, il est seul, donc il attrape la balle et il tire, soit il ne peut pas jouer dans le tir. À ce moment-là, il crée pour finaliser pour son propre tir ou pour aller chercher la fixation et faire une passe, un tir. Pas deux passes, pas en 6 secondes. Celui qui vous fait une deuxième passe, vous le prenez, là tu dois tirer. Si tu n'as pas pu tirer, c'est parce que tu n'es pas dans le bon espace. Bien, ok, stop. Temps des 24 secondes, tiens la balle là, ok, remets les mains ici, remets les mains là, remets les mains ici. Deux situations. Soit vous jouez avec la balle là, et pour ouvrir le quart de terrain, soit vous le mettez ici. Si vous le mettez ici, vous travaillez avec un angle différent sur l'écran. Okay, pour permettre d'avoir la profondeur. Deux, avoir la capacité de proposer des écrans pour des joueurs qui sortent à l'intérieur de la ligne à trois points.
Si vous proposez des écrans sur la lumière 3.1 sur des joueurs qui sortent, ça va être des joueurs qui vont shooter à 9 mètres. Si vous proposez là, ce sont des joueurs qui vont shooter à 6 mètres 25. Donc c'est à l'intérieur. Deux, dans la possibilité de celui qui porte l'écran, c'est avoir la capacité d'ouvrir un angle par rapport à la défense. Ok ? Avoir la capacité de jouer après son écran. Par rapport 1 à la balle, par rapport 2 à celui qui utilise l'écran. 3, celui qui utilise l'écran, c'est regarder la défense. Ne pas partir sur la course n'importe comment, ok, pour utiliser l'écran de manière stéréotypée. Avoir la capacité de marquer des stops dans la course. Ça veut dire que lui, il est là, remonte, parce que l'écran, quand il remonte, parce que l'écran, si moi je veux qu'il soit bon, tu vas réduire la distance et moi je vais l'utiliser. Ok ? On va avoir une action qui va se positionner en même temps, là. Si moi je cours, toi tu es en défense, je cours pour courir, lui il va s'adapter. Si à un moment donné je remonte en marquant un stop, il va être obligé de faire un choix. Et à ce moment-là, c'est moi qui vais prendre la possibilité d'utiliser correctement les points. La balle est là-bas. Tu défends par rapport à la balle. Lui il vient. Ok ? Si je suis dans la situation de courir, sans marquer de stop, je suis là, je descends un peu, voilà. Si je ne marque pas de stop, lui, s'il prend cette situation de passer au travers, il va passer au travers. Si maintenant, moi, je suis dans la capacité d'avoir la lecture en marquant un stop, c'est ici, je suis là, au bas, ok, tu descends, donc moi, je... Là, vas-y, go. Avoir la capacité, dans un joueur qui vous suit, de marquer un stop, regardez. Si c'est ça, regarde, et pourquoi on le fait sur cet angle-là? C'est parce qu'à un moment donné, s'il y a ça, là, il m'a suivi, donc moi, je cœur, je rentre dans la balle, stop. Si moi, je rentre dans la balle, lui, il doit être capable d'ouvrir. Ça va. Parce que si moi, jamais je rentre dans la balle et je fais ça, il ne faut pas qu'il rentre. Parce que sinon, il va rentrer dans mon espace. Donc, il faut qu'il s'écarte. Maintenant, on positionne les bras. Maintenant, il coupe au travers et glisse. Hop, glisse, glisse. Là. Avec, si possible, à un moment donné, tu dois utiliser ton survie. Tu glisses. Ok. Ça. Voilà. Glisse. Là. Changer l'angle d'écran. Retrouver la profondeur. Donc, on peut avoir ces utilisations-là, mais on peut avoir aussi ces utilisations-là. Et voilà. Et là, on est dans une situation d'angle à 45, mais on peut aussi avoir une situation d'écran-là, qui va jouer sur cette ligne-là. Et qui vont avoir la même volonté de rentrer pour pouvoir donner le petit cœur à l'attraper tir, de pouvoir sortir pour attraper tir si ça glisse, et lui de pouvoir ouvrir sur différentes situations. Soit en profondeur, soit en largeur, si à un moment donné, celui qui a la balle rentre dans la profondeur. Donc à l'inverse de celui qui a la balle. On prend la main sur la sortie, on est ici, et dans la deuxième situation, on peut repartir dans la volonté ici d'avoir un joueur qui peut faire un main-à-main pour trouver une autre option. Ok ? Ça va être la dribbler. Top. Ok, là on a deux joueurs qui vont se croiser. Deux joueurs qui vont se croiser, qui vont forcément à un moment donné donner une situation défensive. Donner une situation défensive qui va plus se prononcer sur la ligne de fond. Donc si ça se prononce dans la ligne de fond, lui on va faire monter. Hop, on va faire monter. En même temps qu'elle lui monte. Ok. Et il monte côté ballon, pas de l'autre côté. Toi, après le main à main, tu vas descendre ici. Bien. Là, il faut que je arrive à la distance. Bien. Ok, tous les deux. Bien, bien. Fais le grand. Comme ça. Comme ça. Fais le grand. Et lui, il va se cacher dans le petit intervalle là. Ok. Et il va utiliser l'écran là. Il va avoir l'utilisation de l'écran. Sur ta droite. Il va avoir l'utilisation de l'écran là. Il va avoir l'utilisation de l'écran là. Où il va avoir l'utilisation de l'écran, et à ce moment-là, s'il monte, toi tu viens réduire la distance là. Là.
On peut utiliser cette situation avec lui, lui prend. Sur un joueur qui va utiliser la ligne de fond, qui va jouer poste bas. On en a parlé. Une fois qu'on a un joueur qui joue sur de la profondeur, l'autre il doit jouer sur de la hauteur. Donc si lui il part sur de la profondeur, toi tu joues sur de la hauteur. Quand tu repars en haut, toi tu fais la même chose. Hop, tu reviens chercher la balle de ce côté-là. La ligne panier, panier. Toi tu tournes au-dessus de la ligne. Garde la balle, là. Et la balle là. Et la balle. Voilà. Et celui qui est là-haut va finaliser par de nouveau un écran, par exemple, où on peut trouver un shooter. Donc on va avoir trois écrans qui vont succéder. Tu vas monter, un écran, tu vas aller dans la raquette, deux écrans, et toi tu vas mettre la distance sur le troisième écran. Ah, et là on finalise sur un joueur qui est là. Celui qui est là travaille des espaces. Là je suis là. Et je passe la balle. Il joue sur une relation intérieure. Dès qu'on est dans une relation intérieure, 45 fonds, si on veut que la balle aille dedans, lui il faut qu'il monte. Donc lui il va monter. On l'a vu tout à l'heure, étant donné qu'on le fait monter de ce côté-là de la balle. Lui, il a vu sa passe, c'est ça, et ça allait là. Là. Et si à un moment donné, pour continuer à donner du mouvement, pour pas qu'on ait des gens qui soient sur des positions bien basées, on n'est pas, si jamais il y a un jeu, qu'est-ce qu'on fait? Et on l'utilise énormément, et peut-être même beaucoup trop. Alors on enchaîne sur un pick and roll, donc lui il va ouvrir l'espace, il va aller là, parce que lui quand il va poser l'écran, bien, stop, lui quand il va poser l'écran il va aller là, quand il va rouler, roule, donc lui, stop, une fois que lui il va rouler, on a dit pas d'alignement, donc lui il va monter, toi tu descends, et là-bas pour mettre de la mobilité, on recommence sur le pick and roll. Et là-bas, pour mettre de la mobilité, au lieu d'avoir un joueur statique qui attend ici, lui, on va le faire partir en profondeur, avec lui, sort, et on remonte, sort. Et là, on a des joueurs qui occupent des places différentes, sur un, la mobilité, deux, des espaces. On prend la balle, on remonte ici, et là. Donc là, on a des situations qui nous permettent de faire rentrer un joueur, de faire ressortir la balle en haut, de travailler sur des cascades d'écran, de travailler sur des pick and roll, avec des joueurs qui vont rentrer, des joueurs qui vont monter dans l'espace qui a été laissé libre, et à l'opposé, des joueurs qui jouent sur la profondeur et la volonté d'écarter. C'est bon ? Allez, bam, hop, bon, passe de haut, boum, c'est quoi là-bas, c'est les mains, c'est bon, remonte, remonte, hop, bam. Passe là, écran au milieu, et là, là, cours, ok, hop, passe là, passe vers là-bas, monte, ok, pas possible, pick and roll, hop, là, hop, vous avez changé là, ok, ça permet à un moment donné d'avoir une mobilité, un enchaînement sur un joueur à 5, une défense individuelle. Mais après, on tombe de nouveau sur des choses qui sont énormément importantes, ce sont les espaces. Ce sont les espaces. L'utilisation du pick and roll. Ok, l'utilisation du pick and roll, vous pouvez le faire sur des espaces qui sont. Un jeu à 5 contre 5 sur demi-terrain en ayant gardé
la volonté de course dans la première partie de terrain. Ok, si on se rappelle un peu, on avait demandé au meneur de dribbler ici, on avait demandé à l'extérieur d'être là, à l'extérieur d'être là-bas et à l'intérieur d'être là. Le premier, s'il coupait pour recevoir la balle, s'il la passe, c'est extérieur, et le deuxième, il est en situation de traîneur. Donc c'est un jeu, c'est une structure qu'on peut utiliser très rapidement à la sortie de la transition et de la course. Les rouges, c'est bon ? C'est bon dans le jeu ? Allez, c'est parti. Allez. Plus vite. Tu passes ça, non. Tu passes la balle, t'enchaînes tout de suite. Allez, hop, cours. Hop, voilà, cours, hop. On a eu l'adaptation de celui qui a pris l'écran. Enchaîne, repris. Celui qui prend l'écran, qui a pu utiliser l'écran ligne de fond, mais qui a remonté. Mais la continuité, bon. La continuité dans le système a été. On commence. Alexis, prends la ligne de fond là-bas. On commence. On commence. Allez. Allez, go. Voilà. Thank you.
avoir le cheminement où à un moment donné on a ça, passe, coupe dans la profondeur, là, en même temps que lui il rentre ici, ok, c'est avoir toi au-dessus, donc tu réduis la distance, t'as ça, sors pour tes ballons, on peut avoir le jeu en client ici avec un joueur qui se situe là, sinon, si je ne peux pas jouer là, c'est ça, sur ça, on a tout de suite, toi, le grand, pour utiliser le pont, renverse ça là-bas, et dans la situation après, c'est moi qui enchaîne ça, pour pouvoir aller l'utiliser là-bas, donc vas-y, enchaîne, toi, Valentin, tu restes là, et celui qui reste là, il va jouer dans la profondeur, mais pour trouver de la hauteur et retrouver de la profondeur. Un jeu qui à la base est sur les mêmes situations, mais je trouve une solution différente. Avec un écran, un backpick, petit, grand, pour jouer sur un switch. Là, sur l'écran, là-bas. Ok. Toi, tu es de côté, Sur ça, toi, tu joues en profondeur, ça switch. Donc là, on a le switch. Donc moi, je vais porter la balle. Bon. Libérer l'espace ici en ligne de fond qui sera grand ou petit. Parce que là, je vais mettre grand, de sauter la ligne panier pour retrouver l'intervalle en bas. Alors que si je le fais partir de l'autre côté, on a vu qu'on était embêté. C'est compris? C'est bon? Le plus important. Ok.
Après, c'est rentrer. Rentrer dans ce qu'on veut trouver. Savoir si l'espace va être sur les pics en s'écartant, en rentrant, en demandant à passer devant la balle, en sachant qu'à un moment donné, il faut toujours qu'on trouve aussi des solutions différentes. Reprendre la situation initiale, passe la balle. Ok, move. Ok, lui, il a la gestion de garder la balle en attendant la sortie. Par contre, tu vois, ok, ça sert à rien. Ne demandez pas aux joueurs de remonter à 9 ou 10 mètres. Ça sert à rien de faire des passes comme ça. Si toi, tu es là et t'as pas la balle, ok, boum, remonte. Là, prends, et dégage. Et c'est lui qui a la balle. Ok, et étant donné que j'ai un intérieur ici, garde la balle. Là, viens là. Toi, tu libères. Des écrans, des ouvertures d'écran et de mobilité de la balle, on a mis 10 jours. 10 jours. Rien que sur ça. Sans rentrer dans la structure de jeu. Hein. Ça veut dire qu'on a mis 10 jours à rentrer dans l'utilisation des espaces. Pour faire comprendre qu'en fin de compte, si on voulait avoir de la capacité de créer du jeu, il nous fallait des espaces. Vous avez toujours des joueurs qui sont omnibulés par le cercle. Donc comme ils sont omnibulés par le cercle, ils jouent toujours sur de la profondeur. Ils ont tendance toujours à aller vers le cercle. Donc ça nous a mis 10 jours. Rentrer dans une structure de jeu comme ça, où en fin de compte, on a une structure, une annonce, trois entrées différentes. Ça veut dire qu'on a un chasse dans la même structure, un main à main et un passé bas. Ça, il a fallu 4 jours de travail en continu, quasiment 2 entraînements par jour pour trouver quelque chose qui ressemble à du basket. Donc c'est long. Mon autre question c'était de lui poser, avant qu'il rentre dans ces formes de jeu, dans les deux formes de jeu que tu as montrées là, rien que le principe de collaboration entre tes joueurs, est-ce que c'est quelque chose qui peut être suffisant pour jouer toute une année là-dessus? Avec de la régionale, une, voilà. Deux. Il vaut mieux réussir à mettre en place des principes de jeu où vous allez pouvoir chercher des évolutions au cours de l'année ou des capacités à trouver les petits mouvements qui vous permettront de pouvoir avoir une continuité par rapport aux défenses qui vous sont proposées plutôt que d'avoir des jeux stéréotypés. Ou à un moment donné, vous allez avoir de la performance, mais sur un certain temps et pas sur de la longueur. Sur des jeux qui peuvent être comme ça, avoir une utilisation relativement ouverte, la seule difficulté, c'est que vous puissiez avoir un groupe qui ait quand même une connaissance de l'espace dans le demi-terrain important. Moins vous avez de joueurs capables de gérer la notion du jeu à deux ou du jeu à trois, plus il vous faut rentrer dans des trucs qui sont fermés. Parce que si vous laissez évoluer votre groupe sur des équipes qui n'ont pas cette gestion de jeu à deux, d'espace ou de jeu à trois, vous n'allez rien produire. L'aboutissement dans ce que vous faites sur le terrain, c'est de pouvoir faire progresser chacun. C'est quand même à un moment donné,
une raison à la réussite. Que ça soit dans un effectif pro ou pas pro, le but à la base, c'est que vous puissiez recevoir des éléments que vous formez, que vous faites évoluer, et en forme d'évolution de l'individu, vous avez une équipe qui est meilleure, à n'importe quel niveau. Donc vous pouvez avoir une évolution d'équipe beaucoup plus performante si vous leur faites comprendre ces pratiques-là plutôt que de rester fermé. Mais à la base, un entraînement par semaine, comme certains, vous avez peut-être deux entraînements par semaine, c'est très très compliqué. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions sur ce qu'il a proposé? Allez-y, c'est le moment de profiter de sa présence pour, comme j'y disais ce matin, le questionner sur des choses que vous n'avez pas comprises. Ou sur d'autres choses, hein, qui vous interpellent sur demi-terrain, sur une défense individuelle. Toutes les structures sont bonnes. Toutes peuvent être efficaces à partir du principe où on les respecte dans un bon timing et dans un travail d'espace. Après, on peut proposer n'importe quel principe.